Bonsoir tout le monde. Nous voici de retour pour un nouveau crowd control. On voit une agréable surprise, je ne m'attendais pas à un crowd control sur Twilight Princess. Et bah c'est vrai que moi non plus, je vous avoue. Mais il y a eu pas mal de nouvelles ajouts en fait sur crowd control. Bref, on va commencer calme. Déjà en fait je vais poser la question la plus importante. Est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort? Parce que ça c'est vrai que c'est un truc qui me fait un petit peu peur. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien par rapport au jeu, et etc, etc. Et en même temps, bah, je peux... Non, c'est très bien. Ah bah c'est super. J'allais dire, en même temps, bah, je peux parler du fait qu'on va faire un crowd control. Bon, on va juste s'appeler Link et on va s'appeler Epona. Voilà, c'est très bien. Donc crowd control, vous connaissez. Vous pouvez faire des petits trucs taquins pendant que je joue au jeu. D'ailleurs, je vais démarrer la session, puisque voilà, je voulais... Mais bien évidemment, nous sommes en randomizer aussi, parce que sinon... Sinon, où est le fun, quelque part? Où est le fun? Bref, bon, bah j'espère qu'en tout cas, vous pourrez lancer des effets, parce que bah, j'ai testé dans mon coin, ça fonctionnait. Donc, j'espère que vous pouvez gagner de l'argent. On peut faire spawn des mobs. Ouais, vous pouvez faire spawn des mobs. Par contre, je vous dirais de pas faire spawn des mobs trop vite parce que bah là pour le moment. Ah voilà, magnifique. Quel effet incroyable. Ah ça rend bien, regardez. Ah oui, mais là en fait quand tu es comme ça, t'es obligé de marcher après. C'est bon, on est en rando. Je vous avoue que le randomizer de Twilight Princess, c'est pas quelque chose que je connais. Donc du coup, attendez. D'ailleurs, il faut. C'est incroyable. Oh bah merci en fait, finalement. Ça m'arrange en fait d'être un loup. C'est toujours le splat de Donkey Kong 64. Un classique. Ça me donne envie de rejouer à ce jeu. Bref, je connais pas très bien Twilight Princess. Hein, donc ça risque d'être... ça risque d'être sympathique. Par contre, on va être transformé en loup. Mais... je peux me retransformer en humain? Ah oui, c'est bon, ok. Ah, ça va. Je croyais qu'on pouvait pas, en fait. Il remonte à un moment, en plus, ces derniers rando que t'as fait sur Twilight Princess. Ouais. Bah, en fait, je voulais le faire. Ça fait longtemps que... Ah, les contrôles sont inversés, ça commence, ça. Ça fait un moment que je me disais que je voulais refaire un run de Twilight Princess en rando. Mais force est-il que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Oh, purée! À l'explosion! En plus ça m'a explosé, ou alors je sais pas si ça m'a explosé direct. Ah ouais non d'accord, ok. Ah ouais ça explose, j'ai aucune... Ah mais ouais mais je suis un loup en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon je crois qu'il y a un coffre ici. Hein. J'avais fait un petit... Allez hop c'est bon. Ah bah ça commence. Le couloir de la mort. Reset le jeu, c'est super méchant comme truc. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop touché, mais il y a l'air d'avoir des trucs rigolos. J'ai l'impression que c'est comme Ocarina of Time, vous pouvez vous battre pour savoir qui gagne en tant que... Vous avez fait apparaître un fantôme, là? Ah ouais, attendez, c'est parce que si je le mange... Yeah. Allez hop, on casse la logique, merci. Bref, j'avais testé, donc du coup je sais qu'il y a un coffre ici, voilà, parce que je me suis un peu baladé dans le voir pour voir si le randomizer fonctionnait. Il me semble que la dernière fois ce n'était pas un rubis violet, donc c'est bon. Oui, loup, il est là, vous pouvez le voir, il se fait exploser par les gens, mais il est là. On peut t'aider à les farmer, c'est cool, mais j'avoue. Hein. Je crois que vous avez fait apparaître un Elmazor aussi, du coup. Très bien. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que... Alors, ouais, mais vous faites apparaître ça. Mais moi, je peux pas encore les affronter, en fait. Donc... Pareil, hein, je peux pas me battre.
Bah, je vous déconseille pour le moment de faire apparaître des ennemis, parce que en fait, vous allez vraiment faire apparaître du. Enfin, vous allez vraiment dépenser de l'argent pour rien, parce que vu que là, je dois encore explorer un peu. Même si bon, c'est très rigolo, hein. Mais promis, dès que je peux l'affronter, je l'affronterai. Mais là, pour le moment, je peux pas. D'ailleurs, il est parti. Ah non, il est toujours là. Incroyable. On remarque que ça nous fait un petit compagnon de route, hein. C'est sympa. C'est sympa. Darnat dans la forêt, Link, Dooté. Par contre, ouais, j'avoue, elle a du mal à suivre Zelda. Hein. Non, mais elle est où? Elle est plus là? Ah non, elle est là-bas, regardez! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça a l'air incroyable, toi, une princesse en compte contrôle. Ouais, bah après, Zelda, elle a un peu de mal. Hein. Ah, ça y est, elle arrive. C'est la dame Zelda méchante, on l'a retrouvée. L'autre Zelda, elle était là, encore invoquée quand j'ai fait ma commande. Était pas encore invoquée quand j'ai fait ma commande. Ah, mais elle le suit, là. Non ? Je sais pas, sa musique est toujours là. Bon, je vous avoue que aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez le droit de s'il y a des gens qui connaissent un peu Twilight Princess Rondo, vous avez le droit de backseat. Hein. N'hésitez pas, parce que j'avoue que les checks, je les connais pas. Donc vraiment, on y va. Si on arrive à faire un donjon aujourd'hui, je suis content. Voilà. Ouais, je me disais que j'allais. Attends, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, je vais faire les insectes déjà. Parce qu'ici. C'est peut-être un insecte en fait. C'est peut-être un insecte. Attends, c'est elle là-bas? Non, pas du tout. Attendez, est-ce que si ici il y a un objet Ah oui, attendez. Ah, du coup, faut pas courir après les insectes. Ah, bah en fait, je vois ce que vous faites, en fait. Vous m'avez envoyé 10 rubis. Ah mince. Ah non, si, je peux creuser. Hein. Pourquoi tu es en 2D? Parce que quelqu'un m'a... Parce que quelqu'un m'a aplati. Et en fait, j'ai juste vu que Nokito m'avait envoyé de l'argent. Donc, très sympa de sa part. Et salut Crystal, et merci beaucoup pour l'abonnement. D'ailleurs, je crois que si vous êtes abonné à la chaîne... Vous... Bon, il faudrait que je me redevienne humain, là, parce que... Sinon, les gens vont pas être contents. T'as mis où est l'eau? Allez, chez elle. Mais pourquoi tout le monde a dit... Nos ennemis NPC, d'accord, ok. Attendez, mais y a... Ah mais j'avoue, en fait, bon, on pouvait me transformer en... Ah mais d'accord, il n'y a plus... En fait, c'est... Non ? J'allais dire, en fait, il n'y a plus d'acteurs, en fait ? Non. Je... Ouais, pas fou les objets, hein. Bon, ça ne m'intéresse pas. Très bien, le nouvel affichage de croix de contrôle. J'avoue que, ouais, ils ont bien amélioré le truc, hein. Ils ont bien amélioré le truc. Comme je dis, il y a pas mal de... Il y a pas mal d'ajouts. Oh là 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 là. Eh non, mais vous êtes à fond sur les explosions. Ça y est, c'est bon. On a des pièces gratuites tous les combien? Bah j'espère... En fait, en général, je faisais ça toutes les heures. Non, c'était pas là qu'il y avait un truc. Mais je sais pas si ça va toujours, si ça a encore fonctionné. Donc on testera si ça fonctionne toujours de donner des pièces toutes les heures. Par contre, j'ai plus aucune idée de. Non, en fait, l'objet, il est peut-être pas là. Oh, lanterne.
Oh, regardez-moi ce beau poil soyeux. Je crains que mon abonnement n'a pas compté, étant donné que mon sub a été fait avant d'avoir chargé le card control. Bah... Ah. Mais non, normalement, c'est pas grave, hein, si tu l'as fait avant, normalement, c'est censé être bon, aussi. Attendez, du coup... Oh, il est énorme, le loup. Merci pour les 10 rubis, et merci beaucoup, Mehdi, pour l'abonnement. De même, je ne suis pas sûr d'avoir des pièces avec mon abonnement. Ah, du coup, ça marche plus. Après, ça marche peut-être plus, hein. Je sais pas, en fait, j'avoue. Ah, yes, super. Ça marche peut-être plus, effectivement. J'avoue que... Bon, par contre, il n'y avait pas... Non, il est peut-être en bas, en fait. Ah, il est peut-être en bas. Il est peut-être en bas. Bon, on va marquer, hein. Phantom Zelda dans le... Dans le... Comment ça s'appelle? Ça marche. Ça marche. Ah non, en fait, ça va, elle revient, en fait, à chaque fois. Est-ce qu'elle peut apparaître ici, tiens? Ah, mais on peut descendre. Extension, on me demande de payer... En fait, il est pas là du tout, la fourmi, en fait. Ah, en fait, elle est peut-être là-haut. Ah, j'avoue, je sais plus, là. Ah oui, je ne peux pas redim alors que je viens littéralement de m'abonner à l'instant. Bah, j'avoue, bah, je ne sais que dire. Je ne suis pas, malheureusement, pas le développeur de... le développeur de Crowd Control, alors je ne sais pas trop. 50 pièces gratuites de base, mais si tu en veux plus, il faut soit attendre que Nami reset. Mais encore, je suis pas sûr que finalement reset ça marche. Les commandes se font en deux fois. Normalement, non, les commandes elles se font dans des endroits. J'imagine qu'ici il y avait rien qui pouvait fonctionner. Ah. Je ne sais pas ce que ça fait. Ça ne marche plus. Je ne sais pas si ça ne marche plus. C'est possible que ça ne fonctionne plus, mais c'est possible que ça fonctionne aussi. En vérité, j'en ai aucune idée. Voilà. On testera. Et... ça marche bien, en effet. Ah oui, tu as freeze caméra. Ah, ils vont que des bombes, lui. Oh, merci beaucoup, Rhinastock, d'avoir offert 5 abonnements. Je crois... Et il y a pour l'abonnement également. Le freeze cam qui marche, bah visiblement ouais, hein, je suis impressionné. En tout cas voilà, merci beaucoup à tous. Donc attendez, ici c'est pas ici. Non, ici il n'y a pas de fourmis ici. Si. Non, elle est dans un bâtiment random en fait. Donc elle est absolument pas là. Attends, mais les souvenirs du jeu... Ah, c'est dur. Il y a peut-être un coffre, là, vous remarquez aussi. Pas donner de bouteille selon le contenu de bouteille. Ouais, mais je pense que sinon, ça casserait peut-être un peu trop le jeu. Rappelons que je suis un randomizer, qu'il est censé y avoir une logique derrière tout ce que je fais, bien sûr. Oh, mais en vérité, je trouve quand même que le rando de... Le rando de... Il est sympa quand même, le rando de... Ok, c'est pas là, t'as toi aussi. Là, vous avez changé mon link form, mais j'imagine que je peux... Ah, bah voilà, il y avait bien un coffre ici. Ah yes, de l'argent. T'as mis le pourquoi Lou est absent. Parce qu'elle a des choses à faire, elle aussi. Vous savez... Ah, non mais je crois que ça va être votre pouvoir préféré. Hein.
Ah, donc c'était des flèches. Ah, je vois, ok. Ah, le tour de magie. Ah, il était bien. Moi, je l'ai bien aimé. Voilà, je veux. Bon. Faudrait que je reparte, du coup. Contrôle. Non, non, non. Oula, vous avez fait apparaître l'ennemi le plus dangereux, là, je... Attention. Eh, mais remarquez. Y'a pas quelqu'un... Attendez, attendez, venez, on fait un test, tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe si vous faites explosion, là? Je veux savoir. Nous avons besoin de savoir. Le monde a besoin de savoir. Oh, ça marche! Incroyable. Bon, malheureusement, je crois qu'il n'y a rien ici. Mais... Ah oui, bah. Bah oui. Bon, je dirais que là, c'est moi qui ai demandé des explosions, donc tout le monde a explosé. Oh là là. Bon, attendez, ça je peux me battre, donc je le fais, vas-y. Voilà, je m'engage à, si je peux tuer un ennemi, je le tue. Voilà. Bon, par contre, ceci dit, je crois qu'il n'y a rien là-bas, en fait. Il faut les bottes de plomb. Ah bah voilà, j'ai fait que une explosion. il a une bonne tête de vainqueur, votre comment ça s'appelle là, votre beau gobelin. On avait dit, si je peux me battre, je vais voir. Voilà. C'était. Je sais pas, j'avoue que je sais pas du tout si. Je sais pas du tout si je peux battre. Mais il est mort! Attendez, attendez, là on a le. On a le plus fort de tous les ennemis. Toutes les armes, on a Epona, on est sur le combat là. Ouais, lui par contre, je suis pas sûr que je puisse le battre malheureusement. Alors, remarquez, Epona a l'air d'être tellement forte que finalement, hein, on va tester, on va tester. Bon alors. Ah, il s'est protégé. Oh là là, la pauvre Epona! Alors regardez ce que vous lui faites subir! On est dans Hyrule Warrior, exactement, tout à fait. Pauvre village qui n'est pas si tranquille. Non, 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 non. Avance Epona, genre! Ouais, non, ça marche pas. Bon, allez. Ah, ça y est, la caméra? Ah non, c'est peut-être l'autre qui a essayé de me freeze, en fait. Oh purée, non, mais attaquez pas Epona. Remarque, non, on peut pas mourir Epona. Elle est trop forte. Oh, non, 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 non. Bon, je peux tuer que le Reset Knight, hein, je crois. Bon, non, je peux tuer personne. Très bien, très bien. Oh là 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 là. Ok, le nom est Epona. Bon, j'ai pas changé les noms des personnages. J'avoue que je suis resté soft aujourd'hui. Ah, vous le revoulez? Je sais pas du tout si je peux lui faire des dégâts. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc finalement on peut faire la bagarre, on peut faire la bagarre. Faut juste que je l'amène lui là, viens avec moi. On fait la bagarre, on fait la bagarre. J'ai un engagement, figurez-vous, j'ai dit que je me battais contre tous les ennemis que vous faites apparaître, si je peux les battre.
Donc on peut, on peut, on peut. C'était brutal, trois monstres contre un seul loup. Ouais, non, mais là, j'avoue. Enfin, si ça se trouve, je lui fais pas de dégâts, en fait, on sait pas. Ah si! Oh là là, mais quelle victoire, magnifique! Il m'a donné un truc. Attendez, non, il... Merci beaucoup pour le rubis. Je sais pas pourquoi il y a que les rubis que je vois en fait sur le jeu. Bah d'ailleurs vous le voyez aussi puisque finalement je capture la fenêtre de jeu. Et bonjour Lo, et bien bonjour Okarisuki. Allez c'est parti. On va pouvoir enfin commencer. On voit tout. Ah ouais mais non mais oui mais vous voyez tout. Mais j'aime tellement pas la démarche d'Epona dans ce jeu. Bah alors vous aimez pas Epona qui danse bien là. Franchement elle va vite en fait Epona. Bon, je vois pas du tout ce que vous faites. Vous faites pas apparaître de trucs hein. Non. Ouais tiens, tiens d'ailleurs bah je. Vu que là on s'amuse pas mal mais je crois que vous pouvez aussi mettre. Attendez que je regarde en même temps que je joue. Il me semble que vous pouvez aussi effectivement vous battre pour des... Ouais. Ah non. Attendez. Finalement il est pas là en fait. Ah non en fait il est pas là. Je crois que j'ai dû confondre le jeu. Oh faites exploser la pauvre Epona. Ah non, en fait, il n'y a pas du tout le truc des... Non, ok, il n'y a pas, en fait. Ah, je croyais qu'il y avait, mais pas du tout. Bon, bah, my bad, en fait. J'avais dit que on pouvait, vous pouviez faire... De... Mais en fait, non, c'est pas possible. Ok. Je pensais qu'on pouvait changer la couleur de Link, mais non, je le vois pas, en fait. Incroyable! On va avancer peut-être. On va peut-être faire un donjon, remarquez. C'est peut-être possible. Hein. Mais en plus, vous avez donné tellement d'un... Oh purée, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais il est incroyable, votre Link. Là. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à Link? C'est fini. Ok. On a tellement l'impression qu'il est gigalant Link du coup. C'est pas quoi si on utilise nos ennemis dans une salle de boss. Aucune idée. Vous avez fait apparaître, vous avez fait exploser. Je me suis pas du tout fait les explosions finalement. Ouh 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 ouh. Ouh ouh, on connaît oui. Ouais, j'allais dire là c'est taquin en fait. Finalement. Avec le. Alors. C'est quoi un Kargarok? Kargarok, c'est les. Pouah, mais c'est bon! Attends, viens avec moi. On va aller se battre. Les Kargarok, c'est les ennemis. Oh non! Oh non, mais vous m'avez retiré la lanterne! C'est que en payant pour avoir d'autres pièces. On essaiera dans une demi-heure pour voir si je peux vous redonner des pièces. Mais attendez, mais...
Vous l'avez retiré temporairement, hein. Genre, c'est pas définitif le fait que j'ai perdu la lanterne quand même. Oh, parce que là. Mais je peux pas vous garantir. Parce qu'ils ont fait des changements au niveau des. Au niveau des trucs. Oui, c'est temporaire. Oh, ça va, tranquille, on peut le battre. Donc, loup qui est notre arme principale. Finalement, les alphos là. Attendez. Oh, mais vous avez changé les boutons? Je savais même pas qu'on pouvait changer les boutons. Ok. Ah, c'est bon, la lanterne est revenue, effectivement. C'est le combat le plus difficile du jeu, en fait. Figurez-vous. Non, mais ça dure des années, en plus, le changement de... Ah non, 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 non. Non, ok, c'est bon. Moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ouais, non, mais vous en faites pas, je promis, j'affronte tous les ennemis. Ouais, ouais. Oh, purée. Il est toujours pas mort. Ah, c'est bon, peut-être là. Ah, voilà. Oh. C'est le boss final. Ah, ouais, non, mais carrément. Carrément. Pas mal, je sauvegarde, j'aurais dû sauvegarder. Hâte de faire spawn un Darnot contre Ganondorf. Ah, déjà, faudrait qu'on atteigne Ganondorf. Hein. Ça, ce n'est pas sûr, finalement. Oh non, non, non. Non, me faites pas de mal. Moi, je fais que passer, moi. Je... Oh purée, non. Vous êtes trop méchants. Bon, je crois que la lanterne, c'est mort. Hein. J'aurais pas assez là. Je le ferai sur le chemin du retour en espérant que. Ouais. Il y avait rien de bien. On peut reset le jeu pour 20 000 points. Ouais, non, mais il faudrait que je fasse attention en fait. Faudrait que je vraiment que je prenne le temps de réfléchir et de sauvegarder de temps en temps. On sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un saurait. Non, 2000, ouais. Bah, 2000, j'ai dit 20 000, mais. C'est parce que j'ai mal lu. Oh, je ne sais pas lire, figurez-vous. Ah, j'avoue, est-ce que j'y vais maintenant? Allez, je suis sympa, je le paye. Je sais plus combien ça coûte. Je vais lui donner 30. Allez, vas-y, je suis sympa. Je sais plus combien ça coûte. Bon, visiblement, c'était beaucoup plus. C'était, j'ai donné beaucoup trop en fait. Pourquoi payer 200 pour reset alors que le jeu pourrait bien crash? Non, mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui me fait peur. Hein. J'avoue que j'ai peur du jeu qui crash. Hein, je... Oula!
Désolé pour le bruit, j'ai failli faire tomber le micro. J'en étais presque arrivé. Tu connais les settings pour le randomizer? Non, parce qu'avec la quantité de rubis dans les coffres de ce jeu... j'ai été quand même assez soft, du coup je n'ai pas... Je sais qu'il y a un coffre quelque part, mais j'ai encore oublié. J'ai été assez soft, j'ai pas tout randomisé, genre j'ai pas randomisé les âmes de spectre. Parce qu'on pouvait randomiser les âmes de spectre, mais... Globalement les settings sont des settings de base, sont assez sympas, sont assez gentils. À chaque fois que j'entends un splat, vous me faites peur, donc... En plus, mon truc se met même pas à jour, en fait. Enfin, s'il se met à jour, mais... Ah bah, en fait, c'était juste là, très bien. Mais... Enfin, il se met à jour, mais en fait, je dois remonter constamment le truc pour savoir ce que vous avez fait. Vous avez fait changer d'une forme, mais ça n'a pas changé, en fait. Genre... Ça n'a pas fonctionné. Ah, là, ça a fonctionné. Ok. Eh, vous vouliez qu'on manque ça? Non, mais on peut pas manquer ça, franchement. Sûrement parce que tu tiens la lanterne. Oh. Dans ce jeu, faut faire attention avec les bombes. Super. Bah non, je peux pas. En fait, je dois refaire le chemin à l'envers. Remarquez peut-être que si je me noie. Qui retire les bombes? Non, retirez pas les bombes, s'il vous plaît. Retirez pas les bombes, s'il vous plaît. C'est le pire jeu. Bon, est-ce que si je meurs, je repop là-bas? Ça serait cool que oui. Dites-moi que je repop. Ah oui, mais c'est génial, merci. Ah, jeu, qu'est-ce que tu es bien. Est-ce que vous jouerez toi et l'eau au prochain Mario Bros? Tu parles de Super Mario Wonder? Oui, on jouera à Super Mario Wonder. Après tout, événement exceptionnel, Mario sera jouable dedans, donc... on ne peut pas manquer... ceci. Est-ce que je peux réellement faire le temple de la forêt là? On peut essayer, hein. Marquer... Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Alors... On va se laisser guider. Ah, il n'y a pas de... Ah, je ne sais plus parler. Il n'y a pas de... Tant pis. Est-ce que Mario aura encore... Ah, mais je me rappelais pas qu'il y avait des sculptures ici. Alors, en fait, je vais pas pouvoir aller loin. Ouais, bon, d'accord. Okay. Finalement. Oh oh! Non, mais va-t'en, toi! Tu vois bien que je suis en train de faire des techniques déloyales là! Ocarina of Time a tout appris. Ah, il y a peut-être moyen qu'on arrive à la passer. Vas-y, on va essayer. Ah, mais quel talent, franchement! Ah, je suis trop bon. Elle est où, Midona? Elle est où, Midona? Ah! Et il y a quelqu'un qui a fait disable Midona en fait. Donc du coup, je ne peux plus jouer avec Midona. Alors, attendez. Faut juste que je recheck un truc. Bon, normalement si je fais ça, normalement ça ne compte pas pour le chronomètre. En vérité, je sais pas du tout si je vais pouvoir faire des trucs ici. Euh...
peux pas leur... Ouais, non, excuse-moi, c'est bon, je faisais des tests. C'est censé être 30 secondes. Oh mon dieu, mais il y a des trucs trop bien ici. Bon, je pourrais pas dire baby seal parce que je connais pas, mais... Mais bon... comment j'enlève ça, là, par contre? Ah, bon, ok, c'était plus. Oui, ouais. Oui, non, mais t'inquiète, je compte... Attends, est-ce que le cloud shot fonctionne? Oui. Attends. Mais je peux pas me battre contre toi, tu vois, donc... vas-y, pousse-toi, merci. Non, non, mais moi, t'inquiète, je n'en ferai rien, je... Genre, tu es entré dans le donjon au moment où elle s'est finie. J'ai peur que tu fasses quand même compte que tu avais perdu les bombes. Attendez, je sais pas trop de quoi tu parles, je vais sauvegarder. Genre là, vous, tu me fais un peu peur. Ouais, j'avoue, je peux faire le donjon sans les singes, là, c'est bon. Allez, salut. Eh, mais attends, mais... Hop, on descend, merci. Il me reste vraiment pas beaucoup de lanternes. À dire, voilà, maintenant, si je pense que maintenant c'est un peu plus tranquille, si jamais vous voulez faire pop des ennemis, je pense que ça va. Vous pouvez être taquin. Ça devrait aller. Après, peut-être qu'elle va revenir quand tu quitteras le donjon. Ah oui, 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 non, mais ouais, ouais, non, dans Randomizer, il me semble qu'elle est toujours là. Une commande, mais le temps de réponse me paraît bien long. Est-ce que ça fonctionne toujours? J'avoue que ça fait longtemps que j'ai... Et j'ai toujours pas mis Donna, d'ailleurs. C'est parce que je suis dans un donjon, et dans les donjons, ça marche pas? Attendez, je vais lancer un test, finalement. Faire apparaître un beau gobelin. Ah. Attendez, ça marche ou pas? Dans les donjons, ça fonctionne pas. Attendez, je vais sortir du donjon pour voir. Ça m'étonne quand même que ça fonctionne pas dans les donjons. C'est un peu dommage quand même. Vu que de toute façon, j'ai gagné le grappin, ça va, je suis plutôt tranquille. Ton donjon préféré, toi et princesse? Ah, le manoir des Yetis. Manoir des Yetis, il est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup le manoir des Yetis. Je dois avouer que quand même ce temple-là aussi, au niveau de son ambiance... Attends, je vais juste sortir, on va voir. Donc... Alors... Bah j'avoue que là, moi... Ah, peut-être que je relance le truc, finalement. Mais je l'ai vu bugger à un moment, donc si ça se trouve... Ouais, non, je crois qu'il est bugué, en fait. Je crois qu'il est bugué. Bon, je vais le relancer. Alors, j'ai relancé le truc... Donc c'est bon. Donc là c'est bon, ça refonctionne. Ça refonctionne. Voilà, j'ai fait apparaître un beau gobelin, c'est bon, ça fonctionne. Tout va bien. J'ai aussi fixé mes deux nains, du coup. Donc on va réessayer dans le donjon. Je vais essayer de faire apparaître un beau gobelin. C'est bon, ça fonctionne. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, ça avait bugué. Attendez. Non, c'est bon, le chat est bien. Ok, c'est bon. Normalement, vous devriez pouvoir relancer des effets. Et
Est-ce que ça marche de votre côté? Je vois Geekmania qui vient de m'envoyer de la vie, donc a priori... Elle va vraiment me suivre partout. Donc a priori, c'est bon, ça a l'air de fonctionner pour vous, donc parfait. Alors j'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi subitement ça a cessé de fonctionner. Ok, ok, c'est bon, je vais tous vous tuer, très bien. Bon bah du coup, vu que j'ai relancé le truc, est-ce que... Et merci beaucoup Melvin pour l'abonnement. Est-ce que du coup, vous pouvez à nouveau regagner de l'argent ou pas? Parce que finalement, c'est un peu la grande question que je me posais. J'ai eu les pièces gratuites, d'accord, très bien. Bon bah ça fonctionne toujours, ok. Ah, vous avez inversé les boutons, ok, j'ai compris. Attendez, ça marche pas. C'est bugué parce que je suis petit. Non, non, c'est juste ton chat qui est un peu taquin, d'accord, très bien, très bien. Oula, qu'est-ce qui t'arrive, Xivarel? Pourquoi tant de colère? Et finalement, on va peut-être réussir à faire un donjon. Donc, ici. Mais ouais, ouais, je sais que j'en parle à chaque stream de Twilight Princess, mais vraiment... on me pose la question à chaque fois, pour les donjons favoris, mais vraiment... J'ai fait apparaître un fantôme dans l'eau. Incroyable. Mais vraiment, ce donjon... Vraiment... Il est vraiment super joli, hein. Elle est pas randomisée, Baba, d'ailleurs, j'avoue. Faudrait que j'aille voir, en fait. Parce qu'en vérité, en fait, pour tout vous avouer, ce randomizer-là, enfin, ce crowd control-là, je devais le faire la semaine dernière. Mais... Ah bah voilà. Mais j'avais pas pu le faire parce qu'il me fallait un backup de Twilight Princess... américain que je n'avais pas. Super. Alors j'avais dit que j'essaierais d'affronter tous les ennemis, mais je crains que l'ennemi que vous avez fait apparaître dans l'eau, ça va être un peu compliqué. J'ai acheté Twilight Princess sur Wii U avant que le shop ne meure, faudrait que j'y rejoue. Ah non, mais Twilight Princess il est vraiment bien. En plus, franchement, Twilight Princess Wii U il était pas mal. Hein. Comment on remonte maintenant? Ah, là, c'était là. Par contre, votre fantôme, je suis dans le regret de vous annoncer que... que ça va être compliqué. Bah, il est passé où, d'ailleurs? Mais il est où? Non, attends, je vais aller là-bas. Je sais plus ce qu'il y a là-bas. Je l'ai vu dans l'eau. Ouais, ouais, moi j'ai... Bah ouais, mais il a pas l'air de vouloir venir. Ah bah, il y a de retour. T'as check Baba? Non, j'ai pas check Baba, c'est vrai. De toute façon, je le ferai sur le chemin, donc je devrais revenir. Oui, mais c'est peut-être Baba qui a... C'est peut-être Baba qui a... qui a le boomerang. Thank you.
Bon, normalement, les clés sont dans le donjon. Il n'y a pas de Kisanity. Ici, j'y vais, mais ça va. Ouais, ça va. C'est juste pour libérer un singe. Allez, un bon objet, là. Yes! Ah bah c'est quand même le meilleur objet. Pour augmenter les cœurs de Link Lou en passant de l'un combattant la caverne de Lordaek. Si tu fais la caverne du loup avec l'amiibo Link Lou, effectivement, tu peux... selon ton nombre de cœurs à la fin, tu... Ton Link Lou aura ce même nombre de cœurs dans Breath of the Wild. Vous êtes complètement buggé en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont là-bas encore en train de pleurer, bon. Heureusement le grappin. Ah mais c'était très bien le grappin. Les singes n'ont pas peur des monstres mais de Link. Est-ce que vous comptez faire la démo de Pikmin 4 avant sa sortie? Aucune idée. En fait, je suis bête, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Elle était randomisée la dernière. Donc c'est bon, vous pourriez faire apparaître Phantom Zelda visiblement pendant... Pendant le boss. Ok, bien joué. Et bien joué encore. Bon, pour l'instant, d'amis, Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild? Ah... J'avais déjà donné plusieurs fois la réponse, mais la réponse ne... Mais non! Ah purée, en fait, il jette plus loin, mais bon. Allez, je fais pas de suspense, mais pour le moment, pour moi, je suis Team Tears of the Kingdom. Donc en fait, si je fais ça... Si je fais ça, rien du tout, ok. Bon, je sais que je pourrais faire le tour aussi, hein, que c'est pas interdit, mais... Qu'est-ce que le mode crowd control? Le mode crowd control... Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Dans le mode crowd control, en fait, les spectateurs du jeu... Enfin, du jeu de... Les spectateurs peuvent... Oui, puis moi, je me jette dans le truc, c'est bien. Les spectateurs peuvent lancer des petits effets sur mon jeu. Comme par exemple, bah, il y a un petit instant, j'étais un Link géant. Et en fait, c'est parce que... Où j'ai explosé, là, parce que les gens m'ont fait exploser. Je peux même accuser Melvin de m'avoir fait exploser. Voilà. Pourquoi je vous prends un autre? Parce que j'en ai besoin en fait. Pour de vrai. Vous pouvez certainement te faire exploser dans la plante, erreur de timing. Là je vous avoue que je suis pas sûr de moi, donc je vais sauvegarder. Bon, on fait. Bah j'avoue que là les spectateurs seront plus
Elles seront plus à même de te répondre que moi. Ah oui, donc ici c'est la salle. La salle du boomerang en fait. Du coup, la petite liste en haut à droite, c'est la liste d'attente. Je trouve que je sais pas trop à quoi ça en ressemble sur le stream. Attendez, je vais regarder. En haut à droite. Allez, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est, finalement. Aucune idée pour le coup. Bon, malheureusement, je ne peux pas éteindre. Je n'ai pas toujours pas le boomerang. Bah là, dans la liste d'attente, moi je vois rien. Donc je pense que c'est pas une liste d'attente, même si j'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein, mais. Ça a l'air, oui, je reconnais les bouteilles, les contenus des bouteilles, comme tu n'as pas encore de bouteilles vides. Ah, ah oui, d'accord, vous avez, ok, d'accord, vous avez mis en queue plein de bouteilles, du coup. Ah, c'est là qu'il y aura un boss, du coup. Ah, un boss. Peut-être que je peux l'affronter en tant que Link Loup, mais... J'ai aussi une upgrade d'épée. Je suis en train de me faire détruire par un... attendez, bon, je peux regarder. J'avoue. Des bouteilles. Derrière d'avoir une épée. Mais j'avoue que les autres trucs, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, on va s'essayer à l'autre. Bon, je peux passer par là, ça ira plus vite. Ah non, on peut pas, ok. Bon. Alors c'est parti pour un mini-boss, peut-être. Ça va être la grande question. On va sauvegarder, donc, je disais. Go trouver l'épée en bois et faire tout le jeu avec. Bah, écoutez... je ne dirai point non. Mais... Bon alors, est-ce qu'on peut se fighter avec lui ou pas? Ah ouais! Bah, je me... Ah non, mais je l'attendais. Hein. Je l'attendais avec impatience le moment où vous alliez mettre des ennemis pendant que j'en affronte un autre. Oh là 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 là. Oh non, 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 non. Non, me frappez pas pendant la cinématique, s'il vous plaît. Voilà. Oh non. Il a l'air malin, le Darnot. Ah, le Darnot, il rigole pas, hein. Il me tue. Oh, oh purée. Eh, mais il était au taquet. Non, non, non. Non, non, s'il vous plaît, non. Non, 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 mais non. Non, non, non. Non. Récupère Link, là. Non, tu peux peut-être pas en tant que loup. Ok, 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 ok. Ok. En cours. Heureusement que le Lézal il est poli. Non mais le Lézal il est sympa contrairement au Darnot, c'est vrai. Hein. Voilà, qu'on se le dise. Ah, et tout ça pour 5, pour 10 rubis quoi. Ok. On plane vite à sauver. Merci beaucoup Minato. Bon, j'avais donc dit, voilà. On fait la bagarre. Ok, j'ai perdu. C'est bien. C'est bien. C'est bien, bravo. Mais d'ailleurs, il y avait pas un Redead Knight, il est passé où?
Ah mais je repop là, mais oui. Ah bah voilà, bah il est... Ah bah il était... Non, non, non. Ah mais d'accord, ah oui, d'accord. Ah t'es pas invincible pendant le truc, il va dire. T'as perdu très vite, mais vu l'ennemi, je doute de ta survie dans tous les cas. Non mais lui, il est complètement buggé en fait, hein. Genre, je sais pas ce qu'il fait, genre... Tiens, mais vous... Y a... J'ai tellement d'argent. Par contre, le singe, il va pas me suivre du coup. Attendez, est-ce qu'il va dire bravo? Ah, il a dit bravo. C'est bon en fait. Ah, il est vraiment content, hein. Ah, il est content. Ouais, non. Non, c'est ça, pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Ah non, moi j'ai pas peur de ça. Par contre, tes petits bocoblins là, ah là. Tu peux faire des dégâts au Darnat avec des bombes comme dans OOT. Avec des bombes, je sais pas. Je sais qu'on peut avec des... Je sais qu'on peut avec des flèches bombes, mais avec juste des bombes, je sais pas. Le problème, c'est que je peux pas trop me permettre de le faire parce que les bombes sont extrêmement limitées. Ça doit être princesse. Et si le code d'honneur des chevaliers, il va pas me frapper. Ah, vous avez désactivé. Bonjour. Quoi? Ah non, ok. Ah mais non, là c'est... est-ce que je peux faire d'autres choses? Peut-être que j'aille chier. Ah bah non, ils sont là, c'est bon en fait. Attends, mais il est où l'autre là? Pourquoi il y en a que deux? Attendez. Non, comment j'affiche la carte comme ça? Ah mais non, bah oui. Bon par contre, pourquoi vous êtes que deux là quand même? Bon bah je crois que... Bon, je crois que je peux pas aller plus loin dans le donjon. Bon, va falloir songer à aller voir ailleurs. Il est resté là-bas. Je sais pas s'il est resté là-bas, effectivement. Un beau petit Link bien long, comme on les aime. Comme le long chili cheese de Burger King qui ne mettent pas tous les jours alors qu'ils devraient. Ils auraient tellement plus de clients. Je rigole. Bref. Piste, j'ai failli mon plan diabolique. Ah non, c'était une test, t'avais un plan. Diabolique en plus. Je suis en train de découvrir le crowd control, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais le crowd control, c'est fantastique. Hein. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Oh. Eh mais attends. Attends. J'ai pas envoyé la commande apparemment. Ah. Thank you.
Ah non, il faut passer par en haut. Impérativement. Fucking clon le loup saucisse. J'avoue. Ah bah voilà, votre fameux fantastique loup saucisse, il est là. Que je retourne dans mes ténèbres. Ah, je vois, tu es un membre de l'organisation 13. Une test. Ficello presque là. Ah non, mais il est très bien. Ouais. Mais j'ai pas été à Toal en fait, moi. Genre, j'ai pas été voir le magasin de Toal finalement. Il y a peut-être des trucs bien là-bas. Ah non, je suis parti direct en mode ouais, non, mais dans la partie test que j'avais fait, il y avait rien. C'est bon, je vais chercher. Mais non, mais c'est parce que dans la partie test que j'avais fait, en fait, dans le magasin, ils vendaient exactement les. Enfin, elles vendaient exactement les trucs. Il ressemble au chien de l'arc de Foxy dans One Piece. Ah, il a un chien, Foxy ? Je m'en souviens pas. Parce que j'ai regardé l'arc de Foxy, mais. J'avais pas. J'ai skip les fillers. Et PC qui s'appelle Serviette. Ah, j'ai toujours dit Toal, j'avoue que je ne sais pas comment ça se prononce, effectivement. Même pas dire, faut regarder en japonais. En fait, si ça se trouve, chez moi, il y a un truc, en fait. Aussi. Parce que normalement, on gagne l'épée. Ah, oui, 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 je vois l'Evol. Oui, oui, je vois. Ok, mais non, ça, c'est pas filler, du coup, mais ok, oui. Ah, mais attends, mais il y a un truc ici, aussi, chez moi, tout simplement, tant que j'ai la lanterne. Ah, bah oui, bah voilà, il y avait un coffre, en fait. Oh, oui, c'est... Ah, non, mais quel objet incroyable, franchement. Là, c'est bon. Alors là, on peut finir le jeu, on est heureux. Eh oui, oui, le chien. Qu'est-ce que c'est? Ah non, les notes de Uko, ok. Il y a deux coffres chez Link. Encore de l'argent, mais... Hallucinant! Vous pensez que dans ce stream, on aura une épée ou pas? Link qui conserve deux fois plus de rubis. Non mais ça c'est trop bien les randomizers qui permettent d'avoir plus d'argent là. C'est tellement bien. Rigoler non, pas d'épée. Ah ouais, super. Waouh. Combien tu trouves l'épée de légende avant la première épée? Ah mais oui! Ah mais oui, c'est vrai que c'est pas progressif les épées dans le jeu, en fait. Oh là là! Bah alors! Qu'est-ce que c'est que ce tra... Ça va? Attends, elle a perdu son coffre, elle. Ah, elle va me donner la canne à pêche. Super, en fait. Très gentil pour la marche, hein, ça. Ah bah j'avoue que là... Mais regardez qui voilà. Vous êtes à préférer alors que je ne l'ai jamais terminé. Ah bah tu peux hein, le terminer, franchement. Voilà, mais qu'est-ce que vous venez de faire là? Vous allez exploser le landau d'un bébé! Heureusement que finalement le truc n'a pas. En fait. Bah dis donc! J'allais dire par contre elle explose jamais, bah. Visiblement non, mais. En vrai, c'était assez chanceux, tu peux. Oh,
d'obtenir une épée avant le stream. Avant la fin du stream. Ouais, j'allais dire, non, franchement, tu peux... Je sais pas où tu t'es arrêté hardcore, mais... Je m'avais craqué sur ma vieille Wii, mais je crachais tout le temps au début du premier temple. Ah ouais! Ah, c'est dommage, parce que les donjons dans ce jeu sont vraiment bien. 2 fois 25 pièces gâchées. Ah, des fois, vous faites des explosions directes. Est-ce qu'il y a les bottes de plomb ici? Non, c'est bon. On connaît. Ça se mène pas en intérieur et seulement dehors. Je crois que là, par contre. Dans le jeu des sumo, ne faites pas des trucs, ça ne sert à rien. Je sais qu'apparemment ça ne marche pas. Bon, en ce moment j'ai mal au doigt là, donc faut que je refasse un peu de dread là. On s'est laissé un peu trop. On s'est laissé un peu trop dormi sur nos lauriers. Il va falloir retravailler. Donc voilà, je vous préviens, ne faites rien, ça ne sert à rien. Ah bah voilà, parfait, ok. Bon, ok, point phasme, super. En fait, je vois 2 upgrades d'épée en attente, mon plan semble gâché. Peut-être qu'on trouvera une épée dans pas longtemps, on ne sait pas. Il y a peut-être moyen qu'il y ait une petite épée qui traîne. De toute façon, en théorie, bon, je suis quand même censé trouver une épée, puisque... Bon, alors, attendez. Parce que bon, bah, pour finir le jeu, on est bien censé avoir des épées. Oh, la vieux chouchou d'or là. C'est vrai que ça commence à manquer hein, l'huile. Pas trop chaud, ça va, je rentre aussi avec l'OMP. Bah j'avoue qu'aujourd'hui il était censé faire giga chaud, mais je... Bah ça va, mais normalement c'était censé arriver demain. Du coup bah, je suis... Enfin c'est arrivé un jour plus tôt. Mais pour l'instant je trouve que ça va. Franchement je trouve que ça va, même ici je fais pas... Dans mon super grenier je trouve qu'il fait pas si chaud. C'est encore vivable, même si je sens... Ah, pendant une semaine. Bah moi apparemment, moi c'est mort. Ah ouais, c'est mort pour toi l'eau là, il fait trop chaud. Moi je trouve que ça va, hein, franchement. Ok, elles sont là. Mais bon, apparemment de toute façon, c'est déjà terminé dimanche. J'ai oublié d'attacher mes cheveux, c'est horrible. Ah, terrible erreur, effectivement. Mais bon, apparemment, dès dimanche, c'est déjà terminé. Enfin, ouais, ouais, c'est ça. Donc bon, bah, ça va. On a un été plutôt comme ça. Ça va pour les ordi. Je ne dis pas non. Ouais, il fait 20 degrés dehors. Ah, moi, apparemment... Ah, non. Apparemment, aujourd'hui, il est censé avoir fait 30. Mais j'avoue que j'ai pas trouvé qu'il faisait 30. On aurait plus tourné autour de 26, j'aurais dit. Moi, je...
selon mes prévisions en termes de chaleur. Ah, visiblement ça ne marche pas non plus à les effets, je crois que vous avez mis en... Ah non, finalement. Ah bah si, ça marche, ok. C'est juste que ça a mis du temps à arriver, je sais pas pourquoi. Je suis morte perso, bravo, courage à vous. Ok, super, merci. Il a fait très vite ce mini-jeu. J'avoue que là... Non mais faut que je me reconvertisse, attendez. Hein. Speedrunner de Twilight Princess, c'est bon. On est là, on est là. Ah, n'ayez pas honte. Ah quoi que, attendez. N'ayez pas honte de faire pop des monstres dans le village natal de Link. Ah mais non, je peux pas me battre avec Epona ici. Je suis en train de me faire dégommer par ce truc. Ouais, ah j'avoue, je sais pas du tout s'il y a le bouclier et l'épée en fait. Ouais, le roi. Non, je pouvais y aller, ok. Ok, peut-être pas en fait. Ouais, non, y a pas l'air. Speedrun des... Greatest of all time fait par la chèvre. Je réalise, du coup Link peut pas communiquer avec Epona dans ce jeu malgré le fait qu'il comprenne. Si si, regarde. Regarde, elle dit même si tu changes de forme, je te comprends toujours. S'il te plaît, dépêche-toi de redevenir celui que tu es. Enfin, redeviens le vrai toi. Je sais plus c'est quoi exactement la phrase française. Mais si si, Epona, on peut parler avec Epona dans ce jeu. Y'a pas un coffre du côté de là, il faut pêcher pour le chat. Ah ouais, attends. Il y aura un coffre là-bas. Bon, je vais y aller en lui. J'imagine qu'elle n'est pas rassurée de te voir en créature de clip. Après, Epona et... Et Link. Ah, faut peut-être que je pêche pour le chat, il dit quoi? Rien, ok. Enfin, je vais pêcher pour le chat. Oh, elle va peut-être me donner... Attends, donne peut-être une bouteille, je sais plus. Non? Je suis censé y avoir joué à ce jeu, non mais... Salut Ika, merci beaucoup pour l'abonnement. Oh, que c'est méchant alors qu'on veut pêcher pour un gentil. Oups, bon c'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau dans le verre. Ah, cet outil-là, par contre. Qu'est-ce qui est randomisé? Absolument tout. Voyez ce que vous avez fait. Mais non, le pauvre chat, mais vous avez fait apparaître deux. Mais non, mais regardez. Le pauvre chat, regardez, il a peur. En plus, je peux même pas les battre. Vous êtes trop méchants. Qui je dois ban? J'avoue, c'est Xivaril que tu dois ban. J'ai vu Xivaril, je sais pas c'est qui le deuxième, mais... Voilà, moi je lâche les noms, j'ai pas peur. Comment on bat les Darnotes sans épée? Ben on peut pas en fait. Alors peut-être... Mais encore, je peux juste lui retirer son armure en fait. On va voir, mais... Attends, ils ont dit quoi? Ah oui, non, c'est la même chose. Okay. Pumpkin cheese, no. Attends, mais il est passé où, l'autre? Ouais, non, ça marche pas. Bon, il est passé où, l'autre, par contre, là? Je
est complètement bugué, lui. Mais pourquoi il est bugué? J'ai oublié, c'est quoi le crowd control? Le crowd control, c'est... si tu traduis dans anglais, c'est le contrôle de la foule et c'est les... c'est les spectateurs qui contrôlent le jeu. C'est pas comme Twitch Play Pokémon. Bah, c'est pas exactement comme Twitch Play Pokémon. Quoi qu'il y a des jeux où tu peux changer les inputs. Tu peux charger des inputs. Mais... Ah, il est bloqué dans la table de pique-nique! Insupportable, lui, hein. Eh bien... Non, il est complètement bloqué, en fait. D'accord. Alors, je peux peut-être pêcher quand même pour le chat. Allez, on va essayer. J'ai peut-être le temps. Le temps qu'ils arrivent. On fait pour contrôler, il y a un petit truc sur le chat quelque part qui te permet de faire des... Oh non, il arrive. Mais mordez à l'hameçon, s'il vous plaît, genre vraiment, les poissons. Mais non, mais c'est trop méchant. Attends, peut-être que je peux le faire tomber dans l'eau, remarque. Le chat qui est tombé dans l'eau. Ah bah voilà. T'inquiète. Le petit chat. Et ils veulent pas mordre à l'hameçon, ces poissons. Hein. C'est hallucinant, ça, par contre. Hein. Ordez, s'il vous plaît. Genre, s'il vous plaît. Ah, il arrive, là, peut-être. Par contre, l'autre, il est encore bugué, je sais pas où. Hein. Ah, voilà. Ouais, je me demandais si on allait voir l'autre Darnut encore, mais je sais pas où il est passé. Voilà, nous avons vaincu. Nous avons triomphé. Surtout le chat. Oh là là, le pauvre chat, quoi. Non, mais... Ah, Xivari, il n'a aucun cœur. Moi, je le dis. Et l'autre personne qui a fait apparaître l'autre Darnut, j'ai pas pu voir. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner? Mais arrêtez! Arrêtez de me donner des insectes, s'il vous plaît! Ah, remarque, Agatha va peut-être me donner des trucs, du coup. Agita. Agita, ça rime avec Vegeta. Les deux, c'était Xivarel. Ah, les deux, c'était Xivarel. Ah oui, d'accord, Xivarel, ok. Il s'est fait plaisir, Xivarel. Il a dit, ouais, ouais, on va pêcher pour un chat. Paf, on va aller frapper un pauvre chat. Très bien, très bien. Xivarel, vraiment, on peut le laisser modérateur. Moi, je sais pas. Ah, moi, je sais pas. Déjà, pour aller en Irule. Normalement, je peux y aller. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal, normalement. Me propose pour prendre sa place. Tiens, une récompense pour avoir une autre récompense. Ouais, non, mais si ça se trouve, Agita, elle va nous donner des trucs trop bien, si ça se trouve. Ouais. Ne sous-estimons pas. Finalement, vous aimiez pas les petits. Préférez en grand. Attends. Oh non, je suis trop grand. Je sais plus du tout s'il y a un coffre là-bas. Je sais qu'il y en a un avec le bâton. Ouais, non, je crois qu'il y en a pas. Il s'appelle Macaron sinon. Ouais, mais non, mais ça c'est le nom français, c'est pas son vrai nom. Attendez, je vais lui chercher moi son vrai nom. Non, 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 mais non, 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 c'est trop méchant. Attendez, moi je vais chercher son vrai nom. Regarde.
Ah, j'aime bien, ils disent que Zelda... Et elle s'appelle... Ah, c'est pas écrit. Vas-y, mais je voulais voir son nom japonais, moi. Alors, Zelda Wiki, tu ne connais pas le nom japonais de Aga... de Akita slash Macao. M'avez donné un peu de d'huile, vous êtes trop sympa. Bon bah je ne sais pas du coup. Je suis un peu déçu. C'est pas écrit sur le Zelda Wiki. Si si, je suis en manque d'argent. Ah mince, du coup l'autre il s'est éteint. Attends quoi? Ah non, ça sert à rien en fait. Ah, il n'y a pas de coffre ici. Remarque, attends. Je vais quand même lui acheter de... de l'huile. En pire, l'huile d'une goutte. J'avoue que... Ah, le truc d'huile, là... Vraiment, ça servait à un truc. Je... Alors, écoutez, je me souviens pas exactement... Je ne connais pas forcément exactement la position de tous les coffres du jeu qui ne servent à rien. Vous savez que c'est que la deuxième fois que je fais le rando de Twilight Princess, donc... Les checks, je les connais pas tous par cœur. Reste un. Ah, y avait pas eu un coffre là? Non, c'était vraiment que pour d'argent ici. Ok, non, c'était que pour d'argent ici. Non, ah, j'allais dire, non, il me semble qu'il y avait un coffre. La dernière fois, je me rappelle du dernier rando. Ah, il n'y en avait pas qu'un d'ailleurs. Ça y est. Bon, alors je vous promets pas qu'on puisse battre des ennemis avec, mais on a une épée. Voilà, il y a Midona, elle est toute heureuse. Elle est toute heureuse. On va sauvegarder ça tout de suite. Allez, maintenant le Darnot. Ah bah écoutez, si jamais un Darnot apparaît, ouais, donc du coup apparemment ça n'aura pas modifié l'épée. Il y avait encore un coffre. Ah. Finalement. Bah je vous ai dit, hein, vous avez le droit de me backseat aujourd'hui. Hein, parce que je ne connais pas les checks par cœur de Twilight Princess. C'est là. Là peut-être. Forcément les minions ont repop du coup, c'est bien. On se cotise pour améliorer les prix. Bon, je devrais peut-être jouer avec Link là. Faire dégommer par un rat, ça va être bien. Ah oui, effectivement, merci pour... Ah, et en plus, c'était pour un magnifique papillon. Ça aurait été dommage de le perdre, quand même. Allez, Pona, on peut y aller. Pas de truc en point. Comment ça, pas de truc en point? Oh
Oh, mais arrêtez d'exploser Epona, s'il vous plaît. À la limite, moi, je dis rien, mais... Mais non, mais vous explosez Epona, mais c'est trop méchant. Le truc en point pour le crowd control avec les points de chaîne. Alors ouais, non, j'ai vu qu'apparemment, maintenant, c'était derrière le crowd control pro, ça, en fait. Une grille d'épée qui était en attente de s'activer, non? Ah, visiblement... Ah, mais c'est pas une vraie épée, en fait. Je pense que ça ne marche pas parce que ce n'est pas une vraie épée. Elle n'est pas dans l'inventaire. Donc à mon avis, ça doit être ça. Oula! Vous avez fait un truc? Mais oui, ça a changé. Il fait cacher une bombe. Oh non! Mais non! Bah, il fait gâcher deux bombes! Oh, une vérité. Je suis étonné, mais j'ai pas gagné le coup de grâce finalement. Je sais pas si il n'existe plus dans Randomizer ou quoi. Enfin, le check du coup de grâce, j'entends. Pas le coup de grâce en question. Et ça, ce n'est pas très grave que je ne l'ai pas. J'avoue, sans coup de grâce, tu peux pas finir le jeu en théorie. J'avoue que je ne sais plus si tu peux pas quand même faire le coup de grâce sur Ganondorf, même si tu n'as pas la technique. J'avoue que je ne sais plus. Sur les autres boss, tu peux pas le faire, effectivement, il me semble. Mais sur Ganondorf, je ne sais plus. Ouais, c'est que pour une lame de spectre. Je n'ai pas rendu la zone, vous ne m'intéressez pas. Même pour Ganon, il faut l'avoir appris, sinon tu peux pas. Ah non, il faut quand même pour Ganon, ok. Je pensais qu'on pouvait. Enfin, qu'on était, ce n'était pas une obligation. Très bien. Bon bah, je dis des âneries. Je savais que pour tous les autres boss, ça ne marchait pas. Parce que j'avais déjà fait, mais j'étais persuadé que pour Ganondorf, je l'avais fait aussi. Visiblement non, ou alors au contraire je l'avais fait et puis en fait ça marchait pas et dans ma tête c'est la fin du jeu, c'est bon.
De toute façon, en vanilla, on peut pas esquiver. En théorie, tu peux pas esquiver, effectivement, le premier loup d'or. Je ne sais même plus comment j'avais fait en sorte de ne pas l'avoir, mais... Bah ouais, on peut l'esquiver avec des glitches. Ici. Je me souviens plus très bien de Twilight Princess et de toutes ces techniques finalement. Ouf, quel objet pour finir le jeu? L'épée de légende, puisque tu peux pas battre Ganondorf sans épée de légende. Je crois que tu peux même pas infliger. Si. Non, je crois quoi. Tu peux pas battre Ganondorf sans l'épée de légende. Après, il faut l'arme. Il faut la toupie également. Pour traverser le château de Ganon, il faut juste... Je dirais qu'il faut juste le... Je suis pas sûr, mais je dirais qu'il faut peut-être juste le... Le grappin. Peut-être pas le double grappin, peut-être juste le grappin, c'est suffisant, mais je ne suis pas sûr. Le miroir des ombres et les fragments de masse qu'il faut. Il faut peut-être juste terminer le miroir des ombres en vanilla. Mais ça, c'est vraiment... Casse-toi. Il ne faut que le dernier fragment du miroir, les autres sont inutiles. Ouais, bon, c'est comme Ocarina of Time. Pas oublier qu'il faut la tunique Zora pour battre Xanthos, tu t'es fait avoir la dernière fois. Ah, mais oui, il me faut quand même les bottes en fait. Ce qui veut pas me laisser passer sinon. D'aller directement au château d'Hyrule comme ça. Oula. Ah, j'avoue que je connais, je sais qu'il y a un bug effectivement sur émulateur. Le son fonctionne. Bon, alors, par contre, je vais redémarrer une session. J'espère que ça va fonctionner. Je vais faire un test. Ouais, c'est bon, ça marche. Okay. Bon, bah, parfait. Et t'as mis le rubis. J'avais pas mis le rubis ? Bon, du coup, la minimap est moche. Voilà, c'est... Non, mais attends, ce truc n'est toujours pas corrigé. Non, mais c'est... C'est fou! Il me semble que t'avais moins. Ok, bah j'ai gagné de l'argent en chemin. Bon, bah du coup, normalement, oui, vous avez des petites pièces gratuites. Que le monde est bien fait, n'est-ce pas? Non mais c'est moi qui ai fait apparaître le monstre, c'est normal que le monstre soit apparu. C'est quoi le bug? Le bug c'est...
C'est simplement que le son, la plaine d'Hyrule se charge mal. Et donc du coup, ça lag dans la plaine d'Hyrule. Ce qui peut être un petit peu gênant quand même. Le bâton pour faire bouger les statues, c'est obligatoire aussi. En théorie, c'est obligatoire parce que t'es obligé... T'es obligé de la voir. Alors, j'avoue, je sais plus du tout où il faut aller là. Ah, il est là. Donc c'est ce coffre-là. Il n'y a pas de coffre plus loin. Hein. Okay. T'es obligé d'y aller. Enfin, t'es obligé d'aller dans City in the Sky. Enfin, j'ai oublié le nom français de ce donjon. Pour finir le jeu. Célestia, merci. Bon, alors, on va bien s'amuser. Alors, quand je parlais de bien m'amuser, je parlais pas forcément de vous, en fait. Hein. Je voulais juste dire par là que je vais chercher... l'insecte du coin. Ah mais oui, mais j'avais le clochard, j'ai oublié. Non, c'est pas grave. Où est... Où est l'insecte déjà? C'était là qu'on avait eu la tunique Zora la dernière fois. Donc ça serait bien que cette fois-ci je ne l'abandonne pas. Ah, c'est bon, il est là. Attends, il est vanilla le machin là, parce que... Je suis en rando là, parce que... Parce que ça me fait un peu peur là, finalement. C'est vous, j'ai gagné un quart de cœur, attendez. Link Lou n'a pas fonctionné. Ah ouais? Attendez, j'ai un peu peur là, finalement. Ah non, je ne suis pas... Non, 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 mais attendez, en fait. Faut que je relance encore. Je n'ai pas lancé le randomizer. Je n'ai pas lancé le randomizer, très bien. Ah. Il n'y a pas d'ennemis qui apparaissent. Bon. Je vais relancer le crowd control. Voilà, bon. Ah, vous aurez le droit à des pièces gratuites encore. Ça va, hein? Ah, là c'est bon, ça marche, ok. Ok, c'est bon! Eh mince, je suis sorti, c'est bien, bravo. Ah, franchement, vous avez de la chance, hein. Niveau pièces, vous êtes bien, vous êtes bien. À dire que c'est mon que... Alors remarquez, vous avez dépensé direct plein de trucs. Hein. Je vous ai changé pour le jour parce que quand même, la nuit, on n'aime pas trop par ici. Ah mais regardez-les, eux, là-bas. Bon, ok, on ne les regardera pas, d'accord. Ok, ok. Excusez-moi, je... Moi, je vous proposais de regarder amicalement
des ennemis. Ça me paraissait être une bonne idée. Les explosions arrivent. Ah bah, il semblerait que... Ah, vous êtes plutôt d'humeur explosive maintenant. En plus, moi, j'avais posé une question sympa, en mode, venez, on fait une splatfest. Je vous demande, vous êtes plutôt nuit, matin ou journée. Visiblement, vous êtes plus explosion. Le bouton, je crois. On va essayer. Et ouais. Journée pour moi. Ah bah voilà, là. La journée. Ça fait pas longtemps que je suis capable de me lever le matin. De vous relancer exactement les mêmes effets. C'est bien. Ah voilà, j'en avais besoin de ce cœur en plus. Ah bah voilà, non mais... Exactement là. Oh mais non! Mais arrêtez de frapper Epona. Ouais, même à tonnerre. Oups, non, non. Attends, 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 attends. Ouais. Le gars, il vit bien. Ouais, j'ai besoin de cet argent, figurez-vous quand même. Bon, finalement, on est au max argent quand même. Le nerf, il en peut plus, je crois. Ça m'étonnerait pas qu'il est peut-être trop chaud. Hein. Ah, Marc, je sais pas s'il y a vraiment d'intérêt de passer par là. Je crois que le pont il est peut-être pas réparé. Elles sont là, elles. Bah en fait, il faut les battre pour faire. En fait, je peux les battre en fait. Ce sont des agents du crépuscule. Ils sont pas dans le warrior. Un effet qui ne fonctionne pas. Vas-y, t'as fait quoi? Ah, t'as fait freeze caméra. Non, mais le freeze caméra, c'est un effet qui effectivement. C'est effectivement un effet bizarre parce que à chaque fois que des gens l'ont fait, il ne semble pas fonctionner. Genre. Donc je vous dirais ne le faites pas. Peut-être que je pourrais même carrément enlever en fait parce que visiblement... Ah, vous savez quoi? Je vais l'enlever. Puis je vais te rembourser. Allez, je suis sympa. Attendez, voilà. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Le freeze caméra parce que je sais que c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'y arrivent pas à le faire. Je le trouve. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà, je l'ai retiré comme ça. Oh, mais d'accord, ok. Moi, je suis sympa, je vous fais des trucs, et puis voilà, voilà comment vous me remerciez. Très bien, très bien. Non, mais je note. Ah, ouais, non, mais d'accord, deux fois en plus. Ah, trois fois, d'accord. Ah, ouais, ok. Ça, ah, ça y est, vous le voulez. Bon, très bien. Alors, est-ce que ça marche? Ah oui! Ah oui, ça marche! Alors, l'autre, il en a rien à faire. Ah, ça y est.
Mais hey, non mais c'est votre combo préféré celui-là, hein, genre. Non mais le lézal qui en a rien à faire, mais... Ah mais j'ai plus d'épée. Ah bah du coup, si j'ai plus d'épée, je ne peux pas... Par contre j'avoue que j'espère que ça va leur remettre l'épée finalement, parce que... Parce que l'épée de bois... Il y a moyen que si je l'ai perdu, je l'ai perdu en fait. Ah non, c'est bon. Ah, une allonge incroyable. Lui là, c'est le meilleur lui, hein, franchement. Pourquoi je... Lui ? Non, non, ah non ! Je me suis trop rapproché de Grizzel, ou alors c'est Grizzel qui est venu. Ah mais il y en a deux ! Ah mais d'accord, ok. Le combat qui dure à l'infini. Non mais il meurt jamais lui, hein, genre. Ah ça y est, on a gagné, enfin. Incroyable, incroyable. Le plus long combat de l'existence. Voilà, c'est bon, on a réussi à finir. Incroyable, hein. Non mais l'épée en bois, c'est quelque chose, hein. C'est fantastique, c'est sensationnel. J'ai jamais vu sur YouTube, voilà. Le combat, c'est un marathon. Il est passé où l'autre? Ah, il est là, ok. J'ai rien dit. Ah bah si, ouais. Ah bah si, ça a marché. Ah bah du coup, j'ai gagné une nouvelle épée. Garde l'épée en bois pour le combat final. Le truc de l'épée en bois, c'est que je peux pas le garder en fait. L'épée en bois est vraiment une épée spéciale dans le sens que... En fait, cette épée s'équipe à partir du moment où tu la gagnes. Mais si tu gagnes une autre épée en cours de chemin, eh bien, tu la perds. C'est la récompense de cette bataille. J'imagine qu'elle va pas rester. Hein, donc...
Elle va redevenir une épée en bois, je pense. Eh non, mais... Ne hurle pas. J'avoue qu'il ne hurle pas. Il ne crie pas. Bah, en fait, elle disparaît à partir... Elle disparaîtra à partir du moment où je récupérerai une autre épée. Je sais pas du tout si cette épée va rester une épée... Une épée en bois. Enfin, une épée machin. Une épée normale, finalement. Bon, au moins, on pourra dire qu'on l'a fait. On a battu un Darmok. Et ses acolytes. Avec une épée. Avec une épée en bois. On peut te tuer quand même, je crois, si on enlève un cadre qu'on a déjà plus. Et alors là, j'en ai aucune idée, par contre. J'ai déjà fait une partie de Twilight Princess où j'ai gardé l'épée de bois tout le long du jeu. Ça serait comment ça s'appelle, un bon challenge effectivement un jour. Salut Clémopom, merci d'être venu. Oh, finalement l'épée n'a pas l'air de partir en fait. J'imagine que vous pouvez aussi... Oh les bottes de plomb. J'imagine que vous pouvez aussi retirer l'épée, genre la diminuer. Run Twilight Princess avec la Wooden Sword. Bah, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais effectivement, ça peut se tenter. Ça pourrait se tenter. Bah, je vais pouvoir m'occuper des gorons, effectivement. Attendez, il est où l'autre insecte? Ouais, le petit était juste là. Ouais, bon, des flèches, super. Bon, je vais déposer mes insectes, moi, en parlant de ça. Parce qu'on n'oublie pas que le vendredi, c'est défi. Hein. Bon, aujourd'hui, le défi de cette semaine, c'est se battre contre le chaton. Pour l'instant, je ne saurais dire si c'est... je ne saurais dire si c'est vous ou moi qui gagnons. Salut Mel Chicken, merci beaucoup. Chat et son armée d'Arnott, j'avoue. Ah, je me demande si vous pouvez faire apparaître des ennemis ici. Bah, au pire, en fait, je vais arrêter de dire ça. Je vais pas vous poser la question parce que vous allez pas perdre de l'argent bêtement parce que c'est... Ah oui, ça marche, ok. Je peux pas me battre ici du coup. On termine quand le premier temple? Quand j'aurai le boomerang. Allô. Ah. Bon, alors vous êtes prêts et gagner plein de cadeaux. Yes. Oh. Ah oui, d'accord. Oh. Ah, vous avez tué Macaon. Vous avez tué Macaon. Quoi? Oh, bah, j'ai revenu. Bonjour Macaon, je viens échanger des objets avec toi. Ah d'accord, oui, bah pourquoi pas. Ah, Macaon, parle-moi. Ah, c'est du bien joué. Voilà, je n'ai rien à dire. Bien joué. Mon chevalier servant est arrivé. Ouais, bah, pour le coup... Bah, c'est pas grave, moi, je repose exactement là, donc tout va bien. Bonjour, je viens... Alors, bon, par contre, Macaron, en fait, le concept, c'est que tu me donnes pas des mobs, en fait. Enfin, pas des mobs, des insectes, en échange d'autres insectes, parce que...
peux pas me donner des trucs bien, par exemple, McDonald's, s'il te plaît. Ah pardon, pardon, excuse-moi, j'avoue que j'ai été peut-être un petit peu fort par je voudrais des trucs bien. Excuse-moi. Ah ouais, non mais bon, t'as fait apparaître un truc sur moi, ma com. J'ai tout vu. Je ne sais pas ce qui est apparu, mais... Tiens, il y a vraiment... Bon. Ah, une bombe. Décidément, les bombes. Je crois que j'ai plus rien. Hein. Ouais. Bon, bah... On a gagné un giant bomb bag pour le coup. Ça faisait plaisir. Genre... Regardez, vous voyez, il y a quand même une dame qui court, hein, parce que... Il a l'air... Ça va? Attends... Mais... C'est quoi cette dame? Pourquoi elle courait? Ah, visiblement on a gagné, hein. C'était... Mais elle a disparu! Mais... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, j'ai bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? Oui, il y a le magasin du Goron. Elle s'est dédoublée, du coup elle s'était dédoublée en fait. J'avoue que j'ai pas vu en fait. C'est genre. Bah, en même temps, j'ai mon esprit s'est fait quelque peu attiré plutôt par un. Par un. Comment ça s'appelle hein. J'ai plus où des trucs. En fait, je sais pas du coup si je te l'achète. C'était vraiment un Inal Chill, oui, bon. Allez, c'est pas grave, au moins on a un bouclier. Il me semblait qu'il y avait un truc ici, mais non. On va voir que c'est pas si mal, j'ai gagné un bouclier, donc c'est cool. Bon, il y a l'air de rien avoir ici, donc... Ok. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que ce petit Goron, c'est le même, lui... Et lui... Ou pas? Parce que je vous avoue... Que la première fois que j'ai joué à Twilight Princess, pour ma part, c'était la même personne. Et je me disais en fait, c'était que en fait, quand t'étais en bas et ben et quand t'étais en haut, c'était le même. Mais c'est sûrement idiot, hein, mais ils sont jumeaux, je pense. Mais je ne sais pas pourquoi je me disais que c'était le même personnage. Avec le rando, je peux faire ça. Voilà. Bien plus effrayant qu'un Darnot. Hein. Oh. Qu'on se le dise. Faire cirer les chaussures.
Je peux me téléporter donc lui aussi du coup. Bon, vous n'avez pas l'air de vendre quoi que ce soit d'intéressant. Ah ouais, super l'armure, hein. Waouh. Bon. Au moins, on sait qu'ici, ça ne sert à rien. On va aller chercher les insectes d'en bas. Pas encore la super musique. Bah, il y a une musique quand même. Si ça se trouve, vous préférez cette musique. Allez hop, une petite explosion. Ça nous avait manqué. Ça nous avait manqué. Alors là, j'avoue quand même que c'est un peu moche, quand même. C'est un peu moche. Mais bon, j'accepte. C'est pas grave, voici un remboursement. Un coup. J'avoue que je sais pas du tout s'il y a. Non, il n'y a pas de coffre là-dedans. Je sais qu'il y a un coffre en bas, mais je crois qu'il me faut les deux. Ah mais ouais, j'aurais peut-être dû creuser effectivement. Non, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Là-bas, il y a... Wow, merci Cristal pour les cœurs. Cœur que finalement c'est moi qui jette à la poubelle plus que le chat d'ailleurs. Hein. Allez Link. Salut Jérémy. Il y a un truc ici. J'avoue que ici les boules de poudre maintenant. J'avoue que par contre niveau. Ah non c'est pas l'argent, c'est un cœur. J'allais dire par contre niveau argent on est bien. J'allais chercher les insectes de la plaine du sud, je vois. Puisqu'en fait, je peux. Salut de Scra, merci d'être passé. Il y a un combat matin soir là. Ah, ça se fight. Bah, du coup, c'est un.
C'est bien la question finalement. C'est bien la question que je posais précédemment. Vous êtes plus. Non, ça marcherait pas avec les bombes. Ouais, non, il faut que je lui donne de l'eau à lui. Oh, c'est pas grave. Je continue de faire le tour. Oh, c'est juste un peu dommage qu'effectivement j'ai oublié. Je dédie avec les effets qui se font une seconde fois gratuitement. Ah, c'est des choses qui arrivent parfois, hein, genre. Parfois ça relance l'effet, effectivement. Ah, mais le reset, le jeu. Ça, on l'attend au moment où. On attend le moment où, où je serai contre un boss, ça je le sens bien. Genre t'affrontes un boss, paf, tiens. Ah non, non finalement pas de combat. Hein. Comme le crash. Ah c'est pire que le crash de la lune dans Majora. Enfin c'est. Non c'est moins pire. Le crash de Majora est bien pire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Petit White Link là. Déjà terminé. On attend le combat final pour le reset. C'est notre petit Link Broly. Je me demandais si on allait continuer la seed. Mais visiblement ça a l'air de vous plaire donc finalement on va faire le run en entier, c'est ça? Non je crois pas qu'il y en a ici. Bon pas ce soir, hein, pas ce soir je vous rassure. On continuera certainement la semaine prochaine, le prochain. Vendredi prochain, c'est possible. Parce que ça sera décalé. J'avoue, je sais pas encore. C'est peut-être, ça sera peut-être pas possible vendredi prochain. Mais si c'est pas possible vendredi prochain, peut-être que je ferai ça mercredi prochain, du coup. Ouais, je vous l'annonce tout de suite, comme ça, si jamais vous... ça vous intéresse. Bah voilà. Ah bah, un big guy, et ça, clairement, oui, effectivement. Ah, je confirme. Salut à tous ceux qui s'en vont. On finit pas le run dans ce stream. Non, non, on finit pas le run dans ce stream. Je ne connais pas assez bien Twilight Princess pour ça. Je connais Twilight Princess, ça pourrait se faire, mais là pour le moment, j'avoue que. Petit quart de cœur, très bien. Ok, un petit quart de cœur, très bien. Ok, là, j'avoue que là, j'avais un peu peur de l'explosion. Je m'attendais à de la taquinerie, mais... ça va, ça a été gentil. On reprendrait bien un peu de... les belles, là. Ouais bah pas fou hein. Mais voilà fortement désappointé. Pourquoi y'a un rubis rouge qui traîne là? Pourquoi y'a un rubis rouge qui traîne?
On m'a voulu me retirer de l'argent, mais il y avait un rubis rouge qui traînait, donc tout va bien. Mais ouais, pourquoi il y a un rubis rouge? On n'est pas du genre à être taquin, mais non, certainement pas vous. Il y a Ichigo qui en avait marre que je marche. Allez, cours en loup, là, c'est bon. T'es trop lent. C'est vrai, pardon, excusez-moi, Ichigo. J'ai eu peur, hein. Là je me suis dit, oh, il va apparaître un Redead là, genre. Mais en fait, non, c'était juste Link. J'avoue qu'en fait, le truc du grappin, ça a l'air d'être plutôt pratique finalement, parce que. Enfin, pas du grappin, le truc de m'agrandir, ça a l'air d'être plutôt pratique, parce que en fait, ça change la position de Link pour le grappin. Ça a l'air d'être plutôt cool. Oh! Dommage qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir en profiter, n'est-ce pas? Il faut arrêter avec ça. On va retirer les rubis du coup. Vous l'avez tué! Ah non, mais c'est bon, je le fais moi-même. Ah, vous m'avez retiré un rubis. Enfin, ça y est, vous faites apparaître des monstres en masse. En 2000 pièces, c'est quoi le mieux? Vider la bourse ou reset le jeu? Attendez. Sauvegarder et après. Prévu le nombre de rubis que tu gagnes à la seconde. C'est vrai, hein? Oh, mais non! Faut pas faire apparaître un ennemi alors que je me jette à l'eau. Promesse est une promesse. J'ai dit que je me battais contre mes ennemis, donc. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Reset, je pense que ça reset la sauvegarde, genre. Enfin, la partie, genre, ça me remet à l'écran titre, je pense. Oh, ça reset pas la sauvegarde, je pense pas, genre. Bah zut, il est passé où encore? Bon. Visiblement, il a disparu. Et il y avait un autre coffre en fait. C'est Brolink. Non, parce que on va refaire un petit tour d'Hyrule. Il y a tellement de j'ai regagné tellement d'objets qui me permettent de refaire des trucs, genre les bottes et compagnie, que du coup
Bah en fait, faudrait que je retourne au début du jeu. Bon, allez, on va aller faire la caverne au miracle. Dans cette caverne, il y a tout. C'est celle-là, elle est là-bas, il me semble. Eh ouais, déjà 2 heures, hein, ça. Oh, il y a peut-être des coffres ici aussi, en fait. C'est pas grave, je les ferai après. Cavernier miracle. Ouais, ouais, il y a plein de trucs là-bas. Il y a plein de coffres en fait. Mais par contre, elle est où déjà? Je sais plus où c'est un truc. C'est une caverne que tu visites quand tu joues normalement parce qu'il y a plein de. C'est un cave à check pour les multi-world. J'avoue que. Le jour où il y a du multi-world sur... Je sais même plus où elle est. Ouais, ouais, l'entrée s'est débloquée. Bon. Je les vois pas. Bon. Ah bah elle était là, quoi. Regardez, on a la nuit et une chanson. C'est quoi déjà la chanson? Ça y est, on a débloqué un loup d'or, ça y est, c'est notre premier loup d'or, incroyable. Il est beau le chien tout plat, ouais, non mais... Tu peux être tout plat et avoir quand même des bonnes cordes vocales. Regardez-le, il est bien. J'ai vu que Nick Test avait remis le matin. Oula. Cette cutscene donc dure donc 29 secondes. Malheureusement, j'ai dit que je me battais contre les ennemis, mais... Non mais vite. Malheureusement, je ne peux pas me battre contre des darnotes qui sont dans l'eau. Donc, voilà. T'as battu des boss? Non, pas encore. Genre... J'ai pas de quoi battre des boss encore. Il me manque... Oui, j'avais remis. Oh, purée. Non mais je fais n'importe quoi. Attends, je veux désactiver ça. Voilà, non, parce que moi je veux appuyer sur plus pour... J'arrive. Ah mais ils sont deux en plus. Ça mène du vice de bon corps.
Ah oui, je le vois, regardez. Quoi ? Ah, oh, quand je me garde. Ah mais il est toujours là ? Ah ! Bon par contre, il faudrait que je fasse un truc là. Parce que c'est pas possible à un moment. Merci. Bon, finalement, je peux peut-être battre un boss, hein. Ah! En fait, elle est inoffensive, Zelda. Regardez là. Attends, quoi? Non! Ah non! Les boules sont invisibles! Les boules sont invisibles. Oh, hallucinant. Hallucinant. Ah, moi, si je meurs, c'est fini. De bonnes chances. Bon bah je ok. Je... Oh, non mais. Non mais. Et non mais. C'est. Non mais c'est trop dur en fait. Tu peux pas l'affronter. Tu peux pas l'affronter en fait. Genre c'est... Ah bah attends, je vais réessayer, mais... En fait, il faudrait que je calcule le timing. Pourquoi ça arrête pas de déviser aussi, genre... C'est insupportable. Ah bah voilà. Alors... J'ai même pas de bouteille en plus. Pour être dire, je tente avec une bouteille. Attends, on va tenter. Ok, non, ça marche pas. Ah, j'aurais essayé. Je vais dormir, bon courage. Merci, Mehdi. J'ai échoué à l'invoquer tout à l'heure. Ça devrait peut-être mieux marcher le jour où j'aurai une bouteille, mais... Mais là... Parce que la bouteille... Ah, quoi que dans Twilight Princess, je sais pas à quel point elle est plus généreuse, la lightbox de la bouteille. Bon. Non, ça mangeait déjà. Bon, alors je ne sais plus où il y a des coffres. Donc, on veut tout ouvrir. Ah, mais il y en avait un là. Ouais, on peut pas me donner des... On peut pas me donner d'objets, en fait. Un jour où tous tes trucs en attente pour ta bouteille seront passés en le faisant potentiellement glitcher. Non, mais tout ira bien pour la bouteille. J'ai bon espoir quand même. Oh, je suis désolé.
Oh non, en fait, il y a un coffre par truc, en fait. Ouais, vraiment. Ouais. Effet. Savoir quel effet maléfique vous avez lancé encore. Waouh! Ah non, c'est donner l'épée de légende! J'avoue, en fait, si ça se trouve, on peut pas renvoyer la boule. De Zelda sans l'épée de légende, c'est ça en fait. Je peux pas essayer ça, je me souviens. Bah non, en fait. Non, peut-être qu'on peut. Ah si, on doit pouvoir, je pense. Non, je crois qu'on peut. Dis des bêtises. Ah mince! Attends. Très bizarre car ça voudrait dire qu'on pourrait utiliser un flacon mais pas une épée classique. Bah peut-être. Bon. Vous noterez que je n'ai toujours pas d'épée. J'avoue que je crois que... Je pense que ces upgrades seront perdus à jamais, je crois. Les upgrades des bouteilles? Enfin, ce qu'il y avait dans les flacons? De l'épée. Et là, je suis à épée max, donc je pense que oui. Attendez. Et normalement, dès que le crowd control sera terminé, si jamais il y a des trucs que vous avez mis pour rien, on va dire entre guillemets. Mais j'avoue, ouais non, c'est, il n'est pas restauré. Vous serez remboursé. Donc normalement, tout va bien de ce côté-là. Mais là, je crois que je suis à épée max en fait. Enfin, ça m'étonne parce que... Ouais, vous voyez combien d'épées en fait. Ah, j'ai un compteur d'upgrade d'épée. Genre là, en fait, je suis à 3, ok. À 3? Donc on peut pas aller au-delà. Parce que normalement, il y a... Bah, il y a... épée de bois, épée toile, Master Sword, et Master Sword amélioré. Mais si ça se trouve, elle compte pas, parce que finalement, en fait, elle ne s'applique que dans le donjon du crépuscule. Oh non, non, non. Attends-nous. Merci pour les cœurs, merci. Je vais allumer quand même. Ce que j'aime bien voir. Bon, au moins je pourrais pas me plaindre que j'ai pas de bombe, hein, ça c'est sûr. Salut Mario. Mais en fait t'étais déjà là, non? Comment tu t'en vas?
fait, c'est vraiment l'enfer, en fait, par contre. Ah, je vois, en fait... Je me disais que les effets n'avaient pas vraiment d'influence. Mais en fait, si, si. C'est terrible, en fait, les effets de Link. Ça change ma hitbox. Comment ça, mon bouclier? Quoi? Mais... Comme ça, mon bouclier a brûlé. Mais j'avais pas le bouclier ilien? Vous avez fait brûler mon bouclier ilien? N'avez pas honte? Attendez, quoi? Par contre, mon bouclier de toile a effectivement brûlé. Bon. Pauvre bouclier de toile. Ce sera donc un... Ce sera donc un run où le bouclier de toile a fondu. Quelle tristesse. On va donc là, il se mort. Ouais, je pense que j'ai gagné le bouclier de toile et donc du coup ça a dû me l'équiper même s'il n'était pas équipé en fait. Je n'aime pas brûler les boucliers. C'est du gâchis, vous voyez. J'ai perdu le bouclier unique du jeu. Ouais, non, mais c'est un peu triste. Peut-être que je peux en regagner un en achetant un NPC random. Ah, je rigole, c'est pas possible. Finalement, le bouclier de toile, c'est un peu le rugby vert du jeu. En fait. Isabelle Midona, je vois pas l'intérêt en dehors des donjons, il faut beaucoup l'utiliser. Alors, comme je suis le bon prince, je vais vous donner la raison de pourquoi il faut faire Isabelle Midona. Et pourquoi vous devriez pas le faire, donc. En fait, vous pouvez faire Isabelle Midona, puis ensuite... Puis ensuite, changer ma forme de Link. Et après, je ne peux plus me changer. Bon, ok, la caverne... Waouh. Bon bah c'était pas fou hein, toujours tout le monde va disable Midona, il va changer ma forme, ouais du coup. Mais bon bah c'était pas fou hein, là pour le coup. Ah je suis déçu de cette caverne là. La dernière fois elle était très bien, mais là elle était très nulle. Il me semble que j'avais dit que... Il y avait des coffres là je crois. Bâton anima quand même, ouais, mais bâton anima. Ouais, mais bâton anima quoi. Je suis pas convaincu par bâton anima. Ah. Le bâton anima il est utilisable ailleurs. Il est utilisable, mais en fait là. Pour pouvoir l'avoir, ça serait bien que pour déséquiper, je fasse ça. En fait, là, pour... il faudrait que je regagne un autre bâton anima. Super. Ah bah voilà, là, voilà, vous êtes... Avez... Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, Link il a l'épée, le bouclier, trop bien. Bref, je sais plus ce que je disais. Ouais, il faut que je regagne un bâton anima si jamais je veux
si jamais je veux... Si jamais je veux l'utiliser en dehors de... Et waouh, merci pour le hype train. Bon, ici on allait manger des fruits. En plus on a une épée et un bouclier dans le dos, ça va être trop bien. Il a vraiment son épée, son bouclier dans le dos. C'est trop bien. Ah! Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que... Oh non, mais j'ai complètement raté! Bon, c'est pas grave. Je comprends la musique du mini-jeu ne vous plaisait pas. Putain, je sais pas pourquoi la musique elle est bizarre comme ça. Ah! Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Littéralement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. On m'accuse de choses que je n'ai pourtant pas faites. Voilà, je me jette dans le machin. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Non mais j'ai été perturbé, il semblerait. Ah, on est bien avec notre épée et notre bouclier quand même. J'ai joué à triche. Non mais là j'avoue que je crois que le grand Link, ça me perturbe en fait. Enfin, je sais pas pourquoi, parce que normalement la hitbox c'est juste le Kargarok justement. Et d'ailleurs il fait nuit noire là, ça va pas plaire à Link Test, attention. Je me prends des trucs, je sais même pas ce que je me prends en fait finalement. Quoi? Mais attends, mais y a rien qui réagit sur... Mais attendez, mais j'essaie de tourner à gauche, enfin à droite, enfin du coup... Non mais ça monte pas, ça ne monte plus, il veut plus monter. Ah voilà, ok. Attendez, ça n'a pas changé. Ah non, mais on va faire le pire score possible et imaginable. D'accord, non mais oui, bah si tu veux, hein, Kargarok. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je veux recommencer, vas-y. Oui, je veux recommencer. Non? Ok, je veux recommencer. Oh là là là. Les contrôles inversés, ça me perturbe pas de manière générale, mais visiblement ça me perturbe beaucoup pour ce mini-jeu en particulier. Non mais là je comprends rien à la Xbox en fait, genre, c'est fou. Je suis le pire joueur du monde, c'est incroyable. C'est incroyable. L'effet, il ne change... Mais attendez... Je comprends rien à la hitbox, c'est fou. J'ai l'impression que d'habitude j'ai aucun problème, mais là. C'est le fameux moment. La hitbox avec Gargantuès, sauf quand il s'agit de manger des fraises. Ah, les effets durent à l'infini, d'accord. Non, mais j'étais en train de me dire. Ça va, Ah, mais je comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à passer là?
Non, mais non, mais non, mais... Qu'est-ce qui se passe? Il est méchant, il est méchant. Bon, j'ai pas inventé Cannibal. Ah, j'avoue. Ichigo qui... Ah, c'est Ichigo, en fait, qui se démène pour que je ne réussisse pas le mini-jeu. Ce serait... Ah, mais... Et c'est terrible. Attends, mais du coup, là, il est toujours actif, l'effet, c'est ça? Bon, j'ai pas le temps de voir. Attendez. Non, il est plus actif. Je suis complètement perturbé du coup. Ça y est, je n'arrive plus à jouer. Oh, to play the game, please. Bon. Allez. Ça va bien se passer. On mange des fraises. Parce que c'est l'été. Et en été, on mange des fraises. Je vous assure que mon cerveau, il est complètement cassé. Hein. Là, ça y est. Il est complètement cassé. Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce que je fais de mal. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas avoir de bons scores. Ça, apparemment... Je veux plus. Mais non, attendez. Non, je ne sais plus. Genre, je suis complètement cassé. C'est vraiment un truc de fou. Faut faire combien? Je ne sais même plus, hein. Je crois 20 000 têtes. Ah, c'est 50 000. Ah non, mais je suis cassé, hein, mais vraiment. En fait, vous pouvez changer les contrôles. Je ne sais même plus ce qui est un contrôle normal ou ce qui ne l'est plus, hein, maintenant. Ça y est, c'est fini. Je ne sais plus. Je n'arrive même plus. En fait, je sais même pas si c'est moi qui suis mort ou si c'est vous qui m'avez tué, en fait. Non mais il est là le passage le plus difficile du jeu, en fait, qu'on se le dise. Attendez, là, ça y est, je crois que ça commence à aller un peu mieux. Je crois que ça y est. Non, bah voilà, là vous... Ouais. Donc quand ça commence à aller mieux, vous cassez tout. Très bien. Pas le ballon. Voilà. Non mais attends, mais je comprends pas. Je veux descendre. J'appuie en bas, ça descend pas. J'appuie en haut, ça descend pas. Quand ça descend, en fait. Ah, ça descend dans aucun cas, en fait. Ça ne descend en aucun cas. Mais je comprends pas. En fait, je me fais avoir à chaque fois de la même façon. C'est que j'ai l'impression que j'appuie en bas, ça ne descend pas, et j'appuie en haut, ça ne descend pas. Ça monte. Ça ne fait que monter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça ne monte pas. Ça ne descend plus. Non, mais... C'est incroyable. Bon. Là, les contrôles sont inversés. Donc, tout va bien. Donc, si je veux descendre, je dois appuyer en bas. Et si je veux monter, je dois appuyer en haut. Donc, tout va bien. Tout va bien. Là, bon, là, tout va pas bien parce que bah, Kargarok, il a décidé de pas monter, en fait. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même. On va y arriver. Non, on va pas y arriver. Bon, c'est pas grave. On y va calmement, gentiment. Okay. Peut-être pas si calmement non plus. Hein. Ah.
je crois que vraiment... Mais qu'est-ce qui... Mais... Non mais voilà, voilà. Non mais voilà, là il ne veut plus monter. Il ne veut plus monter. En fait, il ne veut plus rien faire. Voilà, c'est bon. En fait, vous faites un truc, c'est pas possible. Vous faites un truc. Parce qu'il ne veut... En fait, là, il ne veut plus tourner à gauche, il ne veut plus monter, il ne veut plus descendre. Il se passe un truc. Et vous faites quelque chose. C'est pas possible. Parce que... Non mais en fait, il y a un truc qui se passe. Parce que, je vous assure... On dirait que ton perso devient lourd quand il reçoit un truc de quelqu'un. Genre, véritablement ? Non, parce que vraiment, là, à ce moment-là, c'est quand il y a un effet. Genre, quand vous faites un truc, le perso ne peut plus bouger, en fait, j'ai l'impression. Bon, attendez. Vous l'avez remis. Non, attendez, je sais plus, voilà, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est en train de casser le jeu. Ah mais là, je crois que vous êtes en train d'effectivement casser le jeu. Parce que ce mini-jeu, il est simple, hein, vraiment. Il n'y a pas de difficulté dans ce mini-jeu. Bon. Attendez. On va parler calmement et poliment. Là, si je descends, il descend. Si je monte, il monte. Si je vais à droite, il va à gauche. Donc, ok, là, les contrôles sont inversés. Bien. Human Dark veut qu'on ait la musique dans la tête. Je l'avais utilisé des fois dans le montage, cette musique. Pas souvent. Mais... C'est arrivé. Donc là, si vous faites un effet, je ne pourrai plus bouger donc. Enfin, si je peux. Enfin, justement, je bougerai toujours, mais dans la direction que je pointais au préalable. Non, mais voilà, là il est. Non, mais en fait. Là, il ne s'est rien passé, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, là. Parce que là, je ne pouvais... Là encore, c'est... Si vous ne voulez plus la musique invoquée, là, c'est vrai. Bon, là, il s'est passé quelque chose, vous avez fait un truc ou pas? Parce que j'ai pas eu l'impression qu'il s'est passé un truc. On n'a rien fait, non. Bon, attends, non, c'est trop bizarre. Non, parce que là, il s'est repassé le même truc. Si vous voulez, pour tester, mais tu es mort avant que je le lance. Donc en fait, non, c'était... Bon, en fait, je comprends pas. C'est quoi? C'est l'effet des contrôles inversés qui s'enlèvent? Vous vous rendez compte que le dernier truc de ce stream, ce sera ça, du coup? Parce que je comptais arrêter à minuit. En fait, je sais même plus. Ok, non, là, ok. Bon, oui, hein, si vous voulez changer la musique, n'hésitez pas à invoquer Zelda, apparemment ça marche. Ah, vous, je sais pas si vous avez essayé d'invoquer des. Je sais pas si vous avez essayé d'invoquer des monstres autres que Zelda. Et bah voilà, là voilà. Ah si c'est bon, il a réagi quand même. À un moment. Et voilà, non mais... Non, en fait, je crois que quand tu montes trop, en fait, il ne veut plus... Je crois que les contrôles inversés, ils font effectivement un truc bizarre, en fait. Genre quand tu montes trop, il veut plus descendre ou... En fait, il est complètement cassé, j'ai l'impression. Hâte de voir le masque du faucon en récompense de ce mini-jeu. Dommage pour la poupée de Zelda. De toute façon, vous voulez savoir le pire dans l'histoire ? Véritablement, en fait, ce qui est le plus terrible dans les contrôles inversés, c'est que pointer en haut, ça t'amène en haut, et pointer en bas, ça t'emmène en bas, en fait. Et c'est marrant parce que ça, justement, c'est un truc...
plein de petits débats dans la communauté jeux vidéo. De savoir si tu préfères que pointer en bas pointe en bas ou pas. Mais, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que selon les jeux ça diffère pour moi. Mais genre visiblement là aujourd'hui ça me perturbe beaucoup de monter en allant en buant en haut. Et voilà. Là, il faut descendre, en fait. Genre... Non, pas monter. Bon, c'est pas grave. Il s'en est sorti. Oh non, je l'ai mangé. Je pensais que je m'arrête pas. Ouais, puis je vais prendre... En fait, j'ai mes deux, mais c'est quand... Quand c'est un, je suis pas content que c'est pas l'autre. Et quand c'est l'autre, je suis pas content que c'est l'un. Je suis du genre pointe au bas et pointe bas haut. Mais je pense que je suis comme ça aussi. Mais que quand j'y réfléchis, je me dis, ah, je sais pas quand même. Mais bon, j'ai envie de dire que là. Mais de toute façon, oui, je pense aussi que je suis comme. Je suis comme Ezarcy Melo, hein, je pense. Voilà, non mais voilà, sans les contrôles, ils sont plus inversés maintenant. Je suis cassé. Alors ça, c'est gauche et droite que j'arrive pas à trouver que je veux entre inverser ou pas. Ah ouais? Genre t'aimes bien quand tu vas à droite et que le jeu va à gauche? Ouais, là, non mais là je suis cassé, hein. Là c'est bon. Ils avaient plus besoin de faire quoi que ce soit maintenant, c'est bon. C'est fini. Genre, j'y arrive plus à jouer, c'est fini. Je n'y arrive plus, hein. Ça y est, c'est bon. C'est hallucinant. Faut que je me réhabitue. Ça va être bien. Non, mais je suis complètement cassé. C'est incroyable. Je veux aller à gauche, comment on fait, hein? Je n'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie, vous le savez. Je ne sais pas comment on va à gauche. C'est dur. Non mais c'est dur d'aller à gauche. Non mais c'est pas vrai. Non mais je c'est hallucinant là quand même. C'est hallucinant. C'est dur le cerveau. Vraiment, moi je vous le dis. Faites pas. Je peux pas être cassé à ce point. Ah si, je vous assure, là je suis complètement cassé. Et ça y est, je crois que le cerveau il s'est réparé. C'est bon, je suis réparé. Mais bon, est-ce que ça sera intéressant? Je ne pense pas. Ah, pas tant que ça en fait. Ah, réparé? Non, pas trop quand même. N'abusons pas. Ça y est, ah, incroyable, j'ai réussi le mini-jeu. Ouais, peut-être pas, je sais pas. 20 000 points, allez, on dit 20 000. Bah pas 50 000. Pas 50 000. 20 000, c'est très bien 20 000. No way, voilà. Bah c'est plus que 10 000 même, voilà, ok, au point. Voilà, on est bon. Need to go again to try. Attendez, the beat the high score, don't you? Attendez quoi? Non. Attendez, c'est pas fini? Je sais plus là. Il n'y a pas plusieurs récompenses, si. Oh non, il n'y a qu'un cadeau. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais relancer pour rien. Très bien. Attendez, mais.
Ah, ça y est, on est sorti de cet enfer. C'était pour le plaisir d'écouter une dernière fois la musique. Exactement. Ah, vous voulez un petit combat de Zelda là. Attendez. Voilà. Non mais il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Hein. Non mais attendez, vous avez... Ah oui, ça marche. Ah ouais, ça marche. Donc je pense vraiment que c'était... Je pense que c'était effectivement le fait que... Et vous avez tout donné, hein, comment ça se passe? Ah, j'ai plus d'épée. Ah, ouais. Ah bah voilà. C'est un bon endroit en plus, hein, pour ça va d'ici. C'est un final, hein. Franchement, on est à la fin, j'avais dit à la fin du stream, on est bien. C'est bien, hein, franchement. Oh purée, le son est horrible! Les Darnot, ils veulent pas qu'on fasse. D'ailleurs, on se bat avec des trucs qui font de l'électricité en étant dans l'eau. Hein. Très bonne idée. Il y a l'autre Zelda là qui arrive. Ça va, je vous dérange pas trop, les copains? Même pas par quoi en fait. Ah, c'est pas très gentil Zelda, hein. Franchement. Je pensais que j'arriverais en bas de rue. Ah. Un peu de calme dans ce dans ce monde de brut. On a choisi la meilleure arène. Ah ouais, non mais là j'éclipse sous la map? Je crois que... Attendez. J'éclipse là? T'en as battu une, je crois. J'ai gagné! Ah bah du coup, si j'ai gagné, j'ai gagné. Il y a une Zelda qui a fait son animation de mort. D'accord! Ah bah on a gagné. Très bien. Toutes mes félicitations. Tu es dans le mini-jeu? Ouais, ouais, comme... Comme c'est le dernier endroit dans lequel on était. Eh bien... Euh...
Je suis sur Flock, ouais. Tu peux quitter la map. Attendez. J'avoue que là... J'ai pas de point de TP parce que... Le pire c'est que... Attendez... Si je sauvegarde... Je vais tester un truc. Ouais bon ok d'accord. Ah oui. Bon bah ok, je suis là, donc très bien. Bah ça m'a étonné parce que normalement c'était censé me renvoyer avec elle en fait. Mais visiblement non. Comme on a battu Fantôme Zelda, je vous propose qu'on se fasse un dernier petit check quand même. Pour finir tranquillement. Dans la joie et la bonne humeur. On va faire la pêche avec Zelda. J'avoue que ça serait rigolo. Oui, j'étais en arrière du trigger de changement de map. Et normalement, t'es censé... Quand tu meurs, en fait... Enfin, quand tu void en Link normal, t'es censé réapparaître dans le mini-jeu de la madame. Mais en fait, si ça se trouve, il est pas débloqué, le mini-jeu, donc c'est pour ça. Toujours, hein. Je sais même pas qui vous avez fait apparaître, mais... Eh ben, y a pas mieux pour finir le stream, finalement. Là, on est bien. On est bien. Mais puis l'autre, il est parti. Ça l'intéressait pas, finalement. Bref, bah du coup, voilà, fin du stream. Link est heureux, hein, quand même. On a gagné, voilà. Et voilà, on a gagné. C'est tout ce que j'avais à dire. Bref, du coup, bon. Je vais arrêter la session parce que à chaque fois que je vous dis que c'est fini, vous continuez de lancer des effets. Et du coup, je vous dis, bon, allez, je pense à vos points. Bah, c'était sympathique, c'était fort sympathique. Ah mais si, je pouvais me battre en fait. Je savais que je pouvais pas me battre maintenant. Dans le machin, mais en fait si je pouvais. Bah c'était fort sympathique. Je disais donc, en fait j'avoue que bon, je me suis bien amusé. Donc je vous propose qu'on retente ça la semaine prochaine. Qu'on continue cette super seed où on a absolument rien fait, hein, qu'on se le dise. On a rien fait. Mais je ne sais pas si on arrivera au bout du jeu, j'avoue. Parce que si tous les streams on ne fait rien, on sera jamais avancé. Mais je me battrai contre la nuit encore. Bonne chance Linktess. Si t'as eu un grappin et une épée de légende. Alors, c'est même pas une vraie épée de légende. Hein. Et sachant que j'ai juste eu une épée. Du coup, objectif raté, pas de donjon. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, la semaine prochaine, on reprend pour tenter de terminer un donjon, en fait. Histoire d'affronter un boss. Bref, bah du coup, voilà, c'était Zelda Twilight Princess Crowd Control. On se retrouve sûrement la semaine prochaine. Comme je dis, ce soit soit vendredi. Et si c'est pas possible vendredi, ça sera mercredi. Et voilà.
Donc s'il y a un stream de Crowd Control mercredi, ça veut dire qu'il sera pas vendredi. Voilà. Parce que ça pourra pas être samedi, parce que samedi, c'est la Splatfest. Donc, voilà, bon. Je sais qu'il y a un peu moins de monde le mercredi, mais j'aurai pas trop d'autres moments pour... Bref, merci à vous et à bientôt. Au revoir tout le monde.